Je reviens sur BOFA. Voilà, monsieur Mvali Kondé. Et il semble que ce problème d'infrastructure, il est récurrent en fait en Guinée. Et c'est surtout pendant la saison pluvieuse qu'on se rend compte que nos infrastructures ne peuvent pas en réalité supporter des cours qui se feront dans les meilleures conditions. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que nous en avons parlé l'année passée et cette année aussi nous en avons parlé. Vous savez, quand il a été question de rénover les infrastructures scolaires, et nous avons dit que ce n'est pas en pleine année scolaire qu'il faut démolir ou qu'il faut chercher à rénover les infrastructures scolaires. Vous savez, quand on dit à un professeur ou à un directeur d'école ou à un DP de procéder, n'est-ce pas, à la rénovation des infrastructures scolaires, ça sera difficile. Pourquoi? Parce que est-ce que vous serez obligé de louer des bâtiments pour envoyer, n'est-ce pas, des élèves dans ces bâtiments et vous occuper de la rénovation? Mais est-ce que cette location-là est prévue dans la rénovation? Souvent, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de budget, en fait. Il n'y a pas de budget. Parce que à l'interne, certains s'organisent à louer des bâtiments. Et après, quand les propriétaires demandent de l'argent, il n'y a rien. Il y en a même qui ferment des fois l'école pour dire que ça n'est plus. Il y a eu des cas même à Conakry où des établissements privés qui avaient été loués par l'État. Il y avait une grogne des fondateurs de ces écoles-là qui réclamaient plusieurs années d'impayés. Je suis d'accord. Oui, voilà. Moi-même, Afrikoif était en rénovation. Oui. Je pense que ce problème-là se pose avec Acuité. Ce qu'il a vu, c'est seulement pour BOFA qu'il a vu. Et quand vous allez ailleurs, à l'intérieur du pays, vous verrez que c'est pire. Vous savez, on vous a dit qu'en Guinée, il y a environ 1000 et quelques écoles en gare. Mais comment chercher à faire disparaître ces écoles en gare? Nous avons fait des propositions. Nous avons dit qu'il faut construire des écoles à côté. Après la construction, là, en ce moment, on procède à la démolition de ces écoles en gare. Mais à l'intérieur du pays, actuellement, comme ce que M. Odilon a vu, je pense que... Et j'espère que la régie pourra nous joindre Odilon rapidement pour qu'elle nous fasse le point de la situation. Il faudrait qu'on cherche à veiller sur un fait. Nous le disions ici la semaine passée. Et peut-être certaines de ces écoles même sont retenus comme centre d'examen. Oui. Imaginez-vous quand les élèves doivent aller composer dans des centres d'examen où les poids sont troués, où la luminosité est faible oui. Et en ce moment il pleut. Quand il pleut, comment ça va se passer? Certains élèves seront obligés de quitter et ils seront assis deux par banc ou trois par banc, voire même quatre par banc. Est-ce que l'ordre sera respecté? Face à une telle situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors que la règle voudrait que ça soit un par banc. Mais quand ça ne va pas, là où vous êtes assis, quand c'est troué, et c'est mouillé et vous ne pouvez pas y travailler, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé de vous approcher d'un de vos collègues, 3-4 personnes. Donc ça veut dire que ça perturbe la qualité de l'évaluation. Ça va perturber parce que ça ne doit pas attendre. C'est pourquoi c'est le bon moment pour eux de voir est-ce que ces écoles-là sont retenues comme des centres d'examen. Si tel est le cas, qu'ils changent avant le jour de l'examen. Merci beaucoup. Monsieur Mansaré, vous avez été en Zéro-Corée pendant votre séjour. Vous avez rencontré sûrement aussi beaucoup de situations de ce cas-là, surtout le franco-arabe. Vous m'avez révélé que, par exemple, Zéro-Corée, il n'avait qu'une seule école publique franco-arabe et que les autres écoles étaient des écoles privées. Voilà. Faites-nous rapidement le point par rapport à vos infrastructures scolaires de Zéro-Corée. Merci beaucoup, monsieur Konaté. Ce qui a signalé que Zéro-Corée, aujourd'hui et demain encore depuis trois décennies, la capitale précurseur de l'enseignement franco-arabe en Guinée, dont il y a eu la première institution appelée Aboubakar Siddique, qui a formé à peu près aujourd'hui le 60 à 65% des détenteurs de doctorat de parcours franco-arabe en Guinée. Ce qui est regrettable, dans toute la région de Zéro-Corée, il n'y a qu'un seul lycée qui se trouve à Massantan. Dans la ville de Zéro-Corée, il n'y a pas de lycée franco-arabe public. Par contre, il y a au minimum 7 à 8 lycées publics. Donc, chaque établissement de ces écoles-là, au minimum, ont 2 classes de terminale. Et d'autres ont 4 classes de terminale, c'est-à-dire 2 classes de sciences sociales, 2 classes de sciences expérimentales. Au-delà de tout ça, la seule école public qui se trouve là, ça a été construit aussi par un don. Monsieur Mansaré, excusez-nous, on va tout de suite vous revenir. On va aller avec Monsieur Odilon Maomi en direct de BOFA. Monsieur Odilon Maomi, bonsoir. Bonsoir Valier, bonsoir à tous. Et voilà, donc je vois que la photo d'illustration a été changée parce que j'avais proposé une photo où vous étiez en pleine marche pour BOFA. Vous êtes à BOFA dans le cadre du pèlerinage, hein? Effectivement, je suis à BOFA depuis jeudi dans le cadre du pèlerinage national.
Allez, donc, monsieur Odilon Mami, vous êtes, je ne dirais pas un inquisiteur, mais vous avez souvent l'œil scrutateur. Vous avez profité de ce pèlerinage-là pour regarder comment est-ce que les infrastructures scolaires y étaient. Et les populations vous ont montré des choses qui n'étaient pas toujours plaisantes. Faites-nous la situation des infrastructures scolaires de Bofa, ce que vous avez vu. Voilà, il faut d'abord rappeler que le programme de pèlerinage est extrêmement chargé, donc je n'ai pas pu avoir... avoir le temps de faire le tour de toutes les écoles. Mais quand les pèlerins arrivent ici à Bofa, ils sont hébergés sur des sites, appelés les sites d'hébergement. Pour le cas spécifique de ceux de ma paroisse, la paroisse Saint-Jacques de la Maillée, nous sommes hébergés à l'école du centre qui se trouve, pour ceux qui connaissent Bofa, cette école se trouve juste derrière l'hôpital préfectoral. Ben, écoutez, avec ces pleins pluies qui sont annoncées à Conakry, à Bofa également, il y a plu. Et nous avons constaté, à vue d'œil, quand vous observez la toiture, par exemple, c'est un établissement vétuste, il faut le rappeler, hein, des tissus que l'on constate au niveau des murs, la toiture qui est vraiment abîmée, quand il pleut, ça suinte, comme si on n'était pas sous un abri. Donc, alors, là, moi, la question que je me suis posée était celle de savoir. Au cas où les pluies tombaient en pleine journée aux heures de cours, donc cela veut dire concrètement que les cours seraient perturbés à cause de cela. Justement parce que nous avons les enfants étudiés dans des infrastructures qui ne sont pas vraiment dignes de ce nom-là. Donc moi, c'est ce constat que j'ai fait pendant ce pèlerinage qui a vraiment attiré mon attention. Voilà, donc vous avez Oui, maintenant, est-ce que vous êtes informé si ces écoles-là sont retenues comme centre d'examen? Puisque ce que vous dites est très intéressant. Et pendant que les candidats sont installés, et s'il pleut en ce moment, je pense que ça pourrait tout perturber. Non, bon, je n'ai pas pris cette information-là, quand même. Que cet établissement soit retenu comme centre d'examen ou pas, mais ce qui est clair, les cours, ces jours-là, les enfants n'y viennent pas justement parce que c'est à cause du pèlerinage. À part du lundi, les cours vont reprendre dans tous les établissements. Donc, figurez-vous, par exemple, qu'en plein cours, qu'il pleuve, donc forcément, les cours seront interrompus à cause de la pluie. Les cours seront interrompus parce que les infrastructures sont délabrées. Et voilà quoi. Donc l'idée n'est pas d'abord de savoir est-ce que c'est un établissement reçu comme centre des gamins, mais du fait que c'est un établissement qui abrite les cours au cours de l'année scolaire où viennent les enfants pour apprendre. Moi, je pense qu'en temps normal, on ne devait pas avoir ces infrastructures qui sont là. Nous sommes d'accord, mais vous savez pourquoi nous posons cette question? Si c'est le cours, on peut reporter. Mais si c'est un examen national, imaginons les conséquences. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous, M. Condé. Hein. Voilà, si c'est un examen national, là, il serait difficile de faire déménager les enfants d'un centre à un autre. Là, hein. Ça pourrait les perturber. Et en l'état actuel, je trouve incongru que cet établissement-là soit retenu comme étant un centre d'examen quand même. Oui, M. Keita. Alors, bonsoir, M. professeur Mahoumi. Alors, en marge donc de ce pèlerinage national, est-ce que vous êtes prêt à sillonner certains districts comme Mankuntan, comme Sibali, hein, comme Lisso, hein, pour vraiment voir en rage campagne comment est-ce que les écoles rurales sont constituées là-bas? Kabine est un vrai globe trotteur local. Hein? Non, bah, écoutez, ce n'est pas ma première. Hein. J'ai pu imaginer les conditions, les circonstances dans lesquelles le professeur étudie. Et quand vous traversez, c'est vrai, nous avons fait la traversée à pied, mais j'avoue qu'il y a des localités que nous avons traversées qui n'ont pratiquement pas d'école encore. Voilà, des localités qui n'ont pas d'école. Et les enfants, pour étudier, il faut qu'ils fassent encore des kilomètres à pied. Et ça, c'est ce qui n'est pas acceptable après plus de 60 ans d'indépendance de notre pays. Donc ça, c'est encore quelque chose, un constat indéniable qu'il faut dénoncer et pour lequel il faut trouver une réparation. Et espérons qu'on trouvera des solutions. Monsieur Odilon, la dernière question, c'est comment se passe le pèlerinage de Bofa? Parce qu'il semble qu'il y a un nouvel évêque qui a été élu par le pape, m'a-t-on dit. Oui, le pèlerinage de Bofa. On s'informe même, monsieur Odilon. Le pèlerinage de Bofa a plusieurs sensibilités. Au-delà de l'aspect purement spirituel, il y a quand même, hier vendredi, c'était la veille culturelle. Et cette veille culturelle est l'occasion pour les églises qui sont, les paroisses qui sont prêtes à présenter quelque chose d'un point de vue culturel, d'enseigner les autres à travers la danse, à travers le slam, à travers la musique. Donc il y a un aspect culturel, hein? Voilà, oui. Tout ce qui est culturel. Comme tu le disais tantôt, aujourd'hui, par exemple, l'autre bonne nouvelle que nous avons reçue, c'est que le pape François,
a nommé aujourd'hui un nouvel évêque, un évêque coadjuteur, c'est-à-dire au niveau de l'archidiocèse de Conakry, il sera auprès de Mgr Vincent Koulibaly. Rappelez-vous que l'évêque coadjuteur, c'est quoi son rôle? C'est celui-là qui va remplacer, qui remplace l'aîné, voilà, le cas, celui qui a été nommé, c'est le père François Silla, qui était jusque-là recteur du grand séminaire bien ancien de Kindoumaya, où l'on forme les prêtres chez nous en Guinée. Donc il était le recteur, il a été nommé comme évêque coadjuteur. Donc ça veut dire quoi? Il va rester à part de l'instant aux côtés de Mgr Vincent Koulibaly, qui a pris de l'âge, qui pourrait aller à la retraite. C'est un assistant en fait, monsieur Oudilon. Quelques années. Oui. Pardon? C'est un assistant. Dans quelques années. Mmh. Et donc, quand le monsieur ira à la retraite, c'est en principe monsieur, son excellence François Silla, qui devra le remplacer. Voilà, monsieur Oudilon, Mami. Voilà, monsieur Oudilon, Mami. Donc, bon, merci beaucoup et bien de. Chose à tout Bofa et excellent pèlerinage. Nous sommes pressés de vous revoir pour le samedi prochain, sûrement. Pas la grâce de Dieu. Merci, merci et bonne émission à vous. Merci beaucoup. Allez, donc, on poursuit. Alors, donc, on va donc poursuivre la marche de l'émission. On va donc aborder un nouveau thème. Cette fois-ci, ce ne sont pas seulement les infrastructures, mais ce sont des enseignants contractuels qui sont brimés dans leurs droits.